touché, mais je pouvais le relever, je l'ai relevé, donc j'ai relevé comme ça, ce qui fait qu'il y a une courbure ici qui est pas jolie. Même elle est moche. Elle est moche. Non, faut pas avoir peur des mots. Ouais. Quand c'est moche. Ça arrive. Non, il ne passera rien. Ouais, parce que tu comprends, il n'a pas le même volume de feuille quand il fait ça. Non, ah, ouais. Putain, il est vachement ramifié. Je suis bizarre. Il coule vraiment. C'est naturel. Ça garde le. Là, c'est du fil de ligature. Pour de la mémoire. Mais plus que moi, ça c'est sûr. Et donc, la question c'est. T'as quand même une idée ou pas? Non, aucune. Une cascade. Mais bon, comme il y avait plein de bras, on peut. Ouais. Si, on peut. Oui. Ouais, tu fais ce que tu veux là. Ouais. De toute façon, les arbres, au départ, la cascade. Il faut déjà voir aussi ce qu'on a. En dessous, il n'y a rien. Parce que... Il y a forcément. Il est régulier, à mon avis. Si tu as des racines d'un côté, il y a encore le terreau. Il y a le terreau de cascade. C'est ça, si presque. Tu as le tronc, et puis tu as la branche tournante. Ouais. Ça, ça peut être aussi une. Une solution derrière. La recette aussi, quand tu ne sais pas trop devant comment ce que tu veux faire avec. Comme disait Pierre Akawa, il dit le basique, tu vas voir le nébari. Donc ça peut t'aider déjà à choisir une face ou une option. Inclinée, pas inclinée, parce que des fois tu as une face qui est super dans le nébari et l'autre face, tu n'as pas. Tu vas pas chercher plus loin. Tout souvent un arbre comme ça. Par contre, à l'inverse, quand ton arbre il s'impose à toi d'une certaine façon sans que tu aies vu le nébari, ça ne doit pas être un problème. C'est à toi de l'adapter à ce que tu as vu. Et quand tu sais pas, là, tu vas avoir le nébari. Je sais, je vais finir par tuer quelqu'un. Je vais prendre ce côté exprès parce que ça fait moins mal. Bon, là, il faut penser genévrier. Moi, je voulais pas faire une cascade. C'est pour ça que je l'ai relevé. Parce qu'au départ, il était couché. Non, au départ, il était couché. Non, mais une cascade, justement, elle ne doit pas partir couchée. Elle monte déjà. Elle monte. Et après, elle descend. Un arbre qui sort comme ça, c'est pas une cascade. Cascade, elle monte et après elle descend. Okay. Ça fait. Bah au niveau là en plus. Ouais. Mais on peut travailler avec le grand, hein, parce que ouais, c'est un genévrier. Tu vas de nouveau fondre un arbre en quatre? Oh putain. Ouais, c'est temps. Un genévrier, si tu veux, il faut donner beaucoup de mouvement au tronc. Et mettre très peu de feuilles. Très peu de feuillage. Le problème, c'est que c'est pas des variétés faciles, ça. En général, on greffe aussi. On greffe parce que on n'arrive pas à les densifier, ces arbres. Pizzeria. Ils densifient pas. C'est la variété. Ouais, ça fait des longs. Toujours on sur lui. Les aiguilles sont pardon. Mais ça peut, on peut greffer. Ça, c'est facile à faire. Ouais. Moi aussi, je pleure. Greffer alors qu'il a autant de bras. Tu changes pas le même, tu changes tout. Mais greffer pour changer la variété. Tu changes la variété, en fait. Ouais. Mais une variété, il n'y a pas quelqu'un qui a... Si, j'en ai un, moi. Ou un Kyushu, là. J'ai un Itoigawa, là-bas. Un Kyushu, c'est mieux pour le finir. Ouais. Parce que cette variété-là, on peut... Comme les argentis, c'est pareil. Ça fait des bras colis. Itoigawa, il a toujours tendance à faire des flèches, il est plus difficile à finir quand tu ne le connais pas bien. Le Kyushu, l'avantage, c'est qu'il fait tout de suite. Ça fait des boules, ouais. Brocoli. Ça a l'air. C'est argenti, direct. Non, on greffe ça. C'est cadeau de la maison. Je peux lui repart avec ça, ils s'en foutent. Non, mais tu vois, il faut greffer là où il y a deux. Là, tu vois, là où il y a deux, c'est bien. C'est ce que je veux garder. Si tu greffes, il faut que tu penses deux branches. Parce qu'il y en a une qui fait la tête et une qui fait une branche.
Si tu n'en as qu'une, il faudra que tu fasses une branche. Donc là, quand tu as un truc comme ça, c'est facile. Hein. Comme ça. On coupe tout le reste. Avant de couper, ça prend une fois. Il faut, hein, faut laisser, tirer pour que la graisse tire. Hein. Ça, c'est hyper facile à faire. Pour changer les feuilles. Après, au niveau de la forme, vu la taille du tronc, il faut qu'il soit là. Quoi. Alors, on peut travailler avec ça. Ce serait une belle variété. On coupe le bas, on descend tout et on garde la partie vigoureuse ici. Ou une branche en bas. Mais une branche en bas, tu vois, tu ne vas pas faire grand-chose avec. Donc en général, quand tu plies un tronc, on garde une branche en secours. Si jamais ça meurt, ton arbre n'est pas mort. Tu repars avec ça. Donc celle-là, elle est plus basse. Bon. Ça, c'est le travail du génie. Mais l'idéal, ça serait de greffer. Changer la variété. Il faut d'abord mettre le tronc en place ou alors... Non, parce que tu greffes dans la courbe ici. Oui. Et donc après, c'est avec les nouvelles branches que tu vas descendre. Non, tu vas faire le tronc pour nous. Il faut friser avec toute la hauteur, donc il vaut mieux mettre en place d'abord. Oui, à greffer après. Mais tu vas perdre du temps, parce que le temps qu'il récupère... La meilleure façon de faire, prendre des notes. Tu vas plier maintenant, tu vas attendre 2 ans qu'il remonte, et après tu vas greffer. Alors si tu greffes tout de suite, l'année prochaine, tu le mets en forme et dans 5 ans, il est fini. Déjà dans 5 ans. Si tu greffes, oui. Ah, si tu greffes pas, il ne sera jamais fini. Non, parce que ces variétés-là, on n'arrive pas. Ouais. Ça, on n'y arrive pas. Non, tu comprends pourquoi tu l'as pris. Bah lui, c'était bon. Non, mais parce que le nébari, le tronc, c'est les mêmes que tous les genévriers, on s'en fiche, quoi. C'est les feuilles qu'il faut changer, pas le moteur. Ouais. Il faut changer la carrosserie, là. Ouais. Mais après, faut faire du tuning. Faut le tuner. Tout ce qui touche de cette variété-là, il ne prendra que les hanches. Mais il ne va pas refaire des petites pousses. Non, après sur la greffe, il reste sur la greffe. Oui, tout ce qui est en dessous, oui. Il faut tout enlever. Mmh. Et les greffes, la meilleure période, c'est quand? Demain, tout le temps. Sur le genévrier, il dit toute l'année, il greffe tout le temps, à Noël, à mois d'août, n'importe quand, et ça prend. Bah, c'est pas rapproché. Mais bon, le plus sûr, c'est d'avril à juillet, quoi, quand il pousse bien. Parce que ça pleure pas comme un pin. Donc, le problème du pin, c'est que tu fais la greffe trop tard, il y a tellement de résine qui circule que ça le rejette. Ça, tu sais, ça colle pas, en fait. Le genévrier, il va coller, il s'en fiche. Mais c'est toute l'année, ça marche. Quand tu sais faire. Enfin, il prend pas toute l'année non plus. Si. Enfin, on peut le faire à tout moment, mais la grève va quand même se souder. En période de croissance, ouais, si tu le fais en septembre, elle attendra. Tu ne peux pas la sevrer en février. En février, non. Donc si tu veux faire ça, c'est déjà. Il faut tout couper. Ça, c'est sûr, il faut couper. Ah, mais va te couper, mais on va couper. Du café. Tu gardes une branche basse. Au cas où tu gardes celle-là, parce qu'il faut alimenter le pied aussi. Oui, oui, parce que là, c'est un peu le même problème que là-bas. Il y a vachement de volume par rapport au tronc. Donc si tu coupes tout et tu gardes que la tête et que tu fais la greffe, si jamais lui, il s'asphyxie un petit peu, si vous voyez, qu'il ralentit, la greffe ne prendra pas. Parce que pour que la greffe prenne, là, lui, il faudrait qu'il pousse de ça. Quoi. Parce que là, c'est du terrain, donc il faut que je le remporte aussi. Ouais, mais tu peux pas rempoter, tailler, greffer, et à un moment donné, il va dire top, j'arrête. Sous ça, là, par contre, tu vois, tout ce qui est petit, là, ça ne sert à rien. Tu gardes les principales au début. Tu gardes quand même les plus costauds. Au milieu, on nettoie et on laisse le haut. Et tu laisses le haut. Bon, faut greffer, hein. C'est bien beau là, on discute, mais ça avance pas. Un autre ? Non, mais là, faut greffer. Extra. Je savais pas que tu voulais. Ah bon ? Ou alors, j'aurais amené mon. Ou alors. Ah bah oui, je vais regarder. Non, ils vont en profiter pour travailler, pour voir comment elle fait. Et on te reçoit un pli, on descend la tête. Et tu pourras le greffer après. Je sais que t'avais le droit de récupérer. Ouais, puis il était. Là, il commence à plier, tu vois, même l'écorce, elle commence à craquer et tout. Là, vraiment, il commence un peu aussi. Il n'a pas travaillé. Non, mais enfin, par la taille, pas loin de 20 ans que je l'ai. Ouais, tu veux faire quoi? Voilà, même c'était là. Regardez celle de droite. Là, t'as un manche, tu vois, la caricature, un peu tout.
On peut se servir de ça aussi. Mais on peut plier là, au niveau ramification. C'est un arbre de travail. Ouais, c'est un arbre de travail. Comme tu veux. Réfléchis. Ça se fait tout seul, en fait. Tu vas apprendre à faire. Voilà. Bah, tailler, tout ça. Plier. Tu veux. Essaye de faire. Bah si. Ouais, une fois il est plié. Je pense qu'il est mort. Ah. Bien pensé. Pas encore. Comme espoir. Pas quel avis. Là-dessus, tu l'as trouvé comme ça, ou c'est ça. Et voilà. Je sais pas, tu vas repartir. Il n'y a pas de belle couleur en tout cas. Mais tu as vu cette couleur déjà en forêt. Il y a 6 mois. Et ça, c'est un jeu. Un peu jaune. Joli greffe. Il est vigoureux en tout cas. C'est dommage, là, ça aurait pu être pas mal. Ben, je pensais couper là, effectivement, et en faire quelque chose. J'aurais dû couper au prélèvement. C'était un peu léger. Il y a beaucoup de feuilles. Hein. Un café de vidéo. Normalement. Il n'est pas fripé. Hein. Mmh. C'est gras quand même, regarde. Il est jeune, c'est bon. C'est constant, encore. Ouais, mais pour l'instant, t'as rien à perdre. Tu peux pas remettre là où il était. Ouais, tout d'un coup. Là, il a une drôle de. Il aurait fallu faire pour qu'il rassemble très vigoureux. Mais on met un message de juste pour le voyage. Hein, toi, ah, d'accord. Vas-y, ah, coupe le film. Garde-le pour le voyage. Non, non, mais pour que ça rentre dans le coffre. Hein, c'est puis même les aiguilles de plus que faible, les aiguilles sont... Ah ouais. En plus, les aiguilles, ça brille un peu, hein, c'est les racines qui pourrissent. Ah bon? Oui, c'est un signe. Les aiguilles qui brillent, sauf sur les variétés où elles ont déjà brillé, c'est les racines qui pourrissent. C'est comme ça dans la forêt. C'est pas des maladies cryptogamiques? Ça, c'est les racines qui pourrissent. Normalement, le... Il le fait un le peu, Sylvestre, il le fait pas autant, tu vois, mais tu vois qu'elle ne brille pas naturellement. Elle ne brille pas naturellement. Les racines, c'est des traces de brillature. Ouais. C'est facile, hein? Elles sont accroquées. Bonjour, toi, tu me couvres tout neuf. C'est humide. Oui, ça sent pas bon? Si. Quand tu bois un verre d'eau, si ça sent ça. C'est la fumeur, pharmacie. Ça sent pas du tout la mycorhize, donc. Ça sent pas bon. Enfin, il va sentir bon. Ça va sentir le champignon. La forêt, ouais. Tu sais, le sous-bois. Plus ça sent ça, plus il pousse. Non mais là ça prouve qu'il n'a pas pris quoi, il n'y a pas de racine. En fait tu étais coincé entre deux rochers et... Il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine. Je me doutais que le rocher n'allait pas prendre. Donc il aurait fallu effectivement lui enlever ça. Mais tant que c'est pas sec et que ça casse, tu pourrais attendre. Il y a déjà pas de racine et tu lui en enlèves. Tant qu'il n'est pas fripé, il n'y a pas d'appel de sel avec les feuilles. On ne sait jamais, tu sais les sylvestres. Et à part mettre un sylvestre, j'ai une autre solution pour le... Il est vachement élastique. Il est vachement élastique en fait. Les corps et les fesses encore. Tu le vois quand il meurt, il se dessèche, il se fripe. Ça casse, il prend la branche. Là, tant que. On sait jamais. Il faudrait que tu mettes un. Et en fait, tant que ça pousse, je crois que ça va être une serre.
Il est mieux là que là. Ouais, ouais, là, il est en dehors. Là, c'est juste la transition entre orcelles et trucs. Donc, la température monte. Ça, c'est que c'est fait. Il faut mettre des baguettes. Il n'y a pas des baguettes. Si, il y a des baguettes. Il y a des baguettes pour ça. Avec un chou et tu l'attaches. Il ne faut pas qu'il bouge. Parce que s'il bouge, il racinera. Pendant 12 heures, les arbres. Ça va raciner les arbres forcément. Tout ce qui pousse après, ça en fait des racines. Tu manges pas un peu. Oui. Je crois que c'est différent de la localisation. C'est sûr que ça garde la pression. Oui, mais d'un moment, on met du doigt. Dessous, ça commence à changer un peu de l'odeur. Non, mais c'est mieux. Mais par contre, c'est bien ça. Non, mais tant qu'il n'est pas complètement sec, il y a des forces. On ferme les poules à feu, on fait les poules à feu, donc combien de vins sont morts. Ah ouais, ouais. Par contre, en haut, il faut nourrir, pas en bas. Tant qu'on ne pousse pas, il ne faut pas bien dormir là. Sauf le bureau, il faut bien nourrir. Il est parti. Il va prendre le glucose aussi, mais avec les la fabrication de sucre, ça l'aide. Est-ce qu'il y a des sucres qui sont plus adaptés directement à la glucose? Pas mettre autre chose. Pas de dextro, des choses comme ça, des choses comme ça. Ah, peut-être, mais c'est au niveau de la molécule en fait. Oui, d'accord. Si tu mets du sucre dans la terre, c'est la catastrophe. Parce que tu fais l'osmose inverse en fait. C'est lui qui prend l'eau. Comme si tu le saupoudrais avec du sel. Il pompe. Le glucose, il est acceptable pour les arbres parce que la molécule est tellement fine que c'est l'arbre qui la prend. D'accord. D'ailleurs, pas l'inverse. Les arbres, ils en produisent eux-mêmes. Et du coup, donc c'est pour ça, quand on en met, en fait, c'est pour aider à la fabrication. Il n'arrive pas à le fabriquer, donc tu lui en donnes un petit peu. Et après, une fois qu'il fonctionne, tu n'en mets plus. Hein. Et une fois qu'il fonctionne, tu nourris la sève élaborée. Il fonctionne. Avant de couper, il faudra que tu attends. Il faut être sûr que ça pète, ça pète. Une fois que ça pète, tu coupes trois fils, il est fini. Parce que ça, il faut le garder. Quoi. Ça fera bien. Tu vois, tu l'as mis dans le plan, là, il est fini ton arbre. Mais il faut qu'il fonctionne, que tu puisses couper ça. Donc tu l'attaches bien, qu'il ne bouge pas, et tu essaies de l'aider au maximum en brumisant des trucs. Là, c'est sauvetage, quoi. Tu verras bien. Tu le mets en perfusion. Il explose. Il est comme ça, c'est en soleil ou... En théorie, il faut le mettre au soleil. Tu veux qu'il pousse, il faut le mettre au soleil. Parce que là, si tu mets mignon, il ne séchera pas. Ouais, puis ça va macérer. Ça va continuer à pourrir. Mais en plein soleil, les feuilles, c'est dangereux. Il faudrait pouvoir mettre le pied au soleil et les feuilles à l'ombre. Ça va pas être évident. Non. On le fait pour les Yamanori des fois. Ce qui va bien, c'est qu'il ne baigne pas dans l'eau déjà. Il faut que ce soit beaucoup plus sec. Oui, là, c'est vrai. Là, il y a trop de trois rosés. Bon, là, il faudrait le couvrir. Il faut dire qu'il a plus maintenant. Ah, mais les Yamanori, justement, on les met à l'abri pour que c'est toi qui mets l'eau. C'est pas. Ah, oui, oui. Comme il faut les protéger. Ah, oui, là, tu mets une tuile dessus qui est pas. Non, mais il faut quand même. C'est pour ça que quand on te dit on met les pieds au soleil et les feuilles à l'ombre, c'est parce que il faut que ça sèche. Si tu prélèves les intuitions à l'automne et que tu les mets dehors, nous, chez nous, c'est pas un problème, parce qu'il ne pleut pas beaucoup. Chez nous, c'est un problème. Mais il y a des endroits, alors il vaut mieux les mettre en tunnel, et c'est toi qui vas arroser. Et on arrose au premier empotage et on attend qu'ils bourgeonnent avant de pouvoir arroser. Ça sèche. Ah ouais, c'est sec comme un clot, ça peut sécher, c'est sèche. Ils n'en ont pas besoin, il n'y a rien. Il faut sortir la pincée qui est là, il n'y a jamais de mosque.
Donc c'est quasiment des grosses boutures et des gros moignons. C'est un beau moignon. On l'arrose une fois bien. Sinon, il ne peut pas y penser déjà. Je gratte pas. Là, tu vas le mettre comme ça, et tu remets au-dessus. La tête là et la branche là. Il reste dans sa courbe. Tu mets ça en valeur. Donc ça, tu le rapproches et tu accentues l'angle. Classique pour un pain. Tu as la tête qui remonte là et la branche qui descend. C'est tout. C'est pas compliqué. Ça, c'est du basique. Non, sérieux. Même si la courbe, elle est très linéaire. Si elle lui plaît pas, il fallait pas qu'il prenne. Non, il m'a plu. Non, mais oui, il y a Si tu veux t'amuser à donner du caractère là et à plier et tout, tout ce que tu vas faire, ça va être accentuer les courbes molles. Tu vas en rajouter. Il y en a une. Et si tu plies ici, tu vas en faire deux, puis trois, puis quatre. Donc, il faut arrêter. Alors, il y en a une, tu la gardes, tu la laisses comme ça. Tu peux le resserrer à la limite. Ou au contraire, le mettre plus droit. Mais ça, ou alors, tu plantes comme ça, tu le redresses. Tu le redresses, quoi. Ouais. Mais ça dépend. Oh là là, il attache, quoi, il bouge pas. Ah, il bouge trop, hein. Faut pas qu'il bouge. Mets des vis dedans si tu veux. N'importe, faut pas qu'il bouge. Donc t'imagines chaque fois qu'il y a du vent, même si tu fais les trois. Même quand t'arroses, hein. T'arroses, il bouge. Ouais. Toutes les petites racines qui commencent à pousser, elles se cassent. Ça, c'est la cata. Mais s'il prend, il est bon. Hein. Dans une peau assiette comme ça, après. Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais, là, oui. Donc on se donne rendez-vous dans 5 ans. 5 ans. Ah, j'espère. Hein. On va voir 5 ans. Ouais. Si tu l'aides pas, il est foutu.